prendre soin de vous. Ce n'est pas toujours la chose la plus facile. Il est parfois plus évident pour certaines personnes de prendre soin des autres plutôt que de penser à elles. Et pourtant, personne au monde ne pourra répondre à vos besoins. La seule personne qui peut prendre soin de ces quatre dimensions et faire monter sa propre vibration, c'est vous. Alors comment prenez-vous soin de vous? Et je vous invite à porter votre attention sur prendre soin de vous dans vos quatre dimensions et surtout de vous engager à vous y tenir. Et le défi de la semaine, c'est « Je prends soin de moi tous les jours, plusieurs fois par jour. » Peut-être que certains se serrent déjà ça. « Mais non, c'est pas possible, je n'ai pas le temps. » C'est faux. Ça ne prend pas de temps de prendre soin de soi. C'est de la présence, c'est de la conscience que l'on met déjà dans son quotidien, pour être toujours en écoute de soi, pour vivre vraiment ce que l'on fait et se remplir. Vous pouvez prendre votre douche, vous habiller, prendre votre petit déjeuner comme un véritable zombie qui ne sait même pas qu'il est à l'intérieur de son corps. On dit bien à côté de ses pompes, hein, vous êtes juste à côté de vous. Alors que ça ne prend pas de temps supplémentaire que d'avoir l'intention de prendre une douche en conscience, en ayant envie de vous faire du bien, de vous masser, de se sentir bon, de vous coiffer, de vous rendre beau ou jolie, de choisir le bon vêtement qui correspond à votre humeur du jour, à vos envies, de prendre un petit déjeuner en choisissant le meilleur endroit dans votre maison, votre appartement peut-être profiter du soleil, pour peut-être mettre une ambiance, une jolie musique, quelque chose qui va vous permettre de ne pas prendre le petit déjeuner speed avec les SMS d'un côté, la télé de l'autre, mais peut-être d'en faire comme une méditation consciente et de savourer cet instant. Vous pouvez prendre conscience de votre trajet pour aller à vos activités et observer le paysage, vous arrêter pour sentir les odeurs, pour observer l'évolution des saisons autour de vous. Vous pouvez, au lieu d'aller dans des pauses où il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de critiques et de plaintes, prendre le temps de vous mettre un peu à l'écart pour aller respirer, faire votre pratique, écouter une bonne musique. Tout au long de votre journée, sans prendre de temps supplémentaire, vous pouvez avoir l'intention de vous faire du bien. Et ce sont tous ces petits bonheurs de chaque jour qui nous remplissent. Toutes ces petites choses qui font beaucoup. En fait, vous pouvez prendre soin de vous tout le temps. Et ça, ça change tout. Alors voilà, prenez déjà du temps pour vous simplement en posant l'intention de vous faire du bien. Et puis libérez-vous du temps, ne serait-ce que quelques minutes en conscience, pour écouter une bonne musique, pour aller marcher dans la nature, pour prendre un bon bouquin, pour choisir un film qui vous éveille, qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et pas simplement suivre un programme qui ne vous intéresse pas en boucle. Pour écrire dans votre journal, pour décorer un endroit de votre maison. Des choses qui vont être à poser bien sûr dans votre emploi du temps. Mais toujours, si vous n'y mettez pas l'intention, vous n'allez même pas y prendre plaisir. Vous allez même peut-être culpabiliser après coup. Stop. Si vous mettez cette intention avec la conscience que tout ce temps que vous allez vous consacrer va vous ressourcer et qu'ensuite du coup vous serez beaucoup plus efficace dans ce que vous allez faire. En posant cette intention, vous n'allez
pas culpabiliser après coup, parce que vous allez mettre tout votre cœur à comprendre que ça, c'est important pour vous, dans vos quatre dimensions, et que cela va élever votre vibration, amenant de la sérénité et de l'ouverture. On prend soin de soi d'abord, et ensuite, parce qu'à l'intérieur, tout est en phase, là, nous pouvons aller donner aux autres, et nous donnons du coup sans attente, non pas pour qu'ils nous remplissent et comblent le vide que nous ne sommes pas capables de remplir nous, mais juste parce que nous avons un trop plein dans le cœur et que là nous le partageons avec grand, grand bonheur. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de prendre conscience que vous êtes une personne magnifique et merveilleuse et que pour être en phase avec soi dans la vie, c'est important de se reconnecter à soi et de se dire que vous avez le droit de prendre soin de vous. Parce que la personne la plus importante au monde à cet instant, c'est vous. Je vous envoie toute ma tendresse et ce joli chant d'oiseau pour vous accompagner. À très vite.